Ok, nous allons continuer avec notre aventure ici. Et là, on va parler des topples. Topples, je ne connais pas le bon nom en français, franchement. Pour moi, c'est ce qu'on appelle des listes, mais qui sont immutables. Comment? Immutables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier. En quelque sorte, c'est juste des listes, mais qui, à la base, tu ne peux pas, par exemple, à peine, tu ne peux pas pop, tu ne peux pas faire ce genre de choses, tu peux plutôt les afficher sur multiples formes et tout. Tu peux vérifier s'ils ont certains éléments et tout. Donc, par contre, pour déclarer, par exemple, une tuple, disons, par exemple, quoi, disons une personne, une tuple personne. Qui est là, remarquez, on utilise plutôt les parenthèses cette fois-ci. Une personne a le nom, peut-être, disons, Kamjou. Il a un âge de 20, disons, de 30. Il a peut-être, quoi? Peut-être une taille de 1,85 mètres. Il est peut-être garçon, homme, non, pour mâle, comme on dit, le sexe masculin. Voilà, je m'arrête là. Ce que vous devrez retenir, c'est qu'on ne peut pas par la suite dire personne à peine ou personne hâte ou quelque chose de ce genre pour ajouter d'autres éléments à cette valeur, donc à cette tuple. Par contre, on peut l'afficher sur plusieurs formes. Donc, si je dis là, print, personne, comme ceci, une chose est sûre, ça va m'afficher personne, comme vous pouvez bien voir là. Donc, par contre, je peux dire les afficher en utilisant le for loop. For l element in person print. Element. Donc, et pour element, vous voyez, ça les affiche ligne après ligne comme ceci. Vous pouvez peut-être dire dot, opa. Ça ne va pas marcher pour tout parce que automatiquement, il y a les integers et tout ça. Donc, ce que je voudrais faire là, ça n'a pas trop de sens, mais ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on peut afficher, par exemple, personne, l'index. On peut dire count, compter le nombre de fois que personne a un mot-clé qui s'appelle Kamjou, comme ceci. Ça, une fois. Donc, par exemple, si je reviens ici et que j'ajoute encore Kamjou, comme vous voyez là, qu'est-ce qu'on aura? Cette fois-ci, ça va voir qu'il y a le nom Kamjou. Donc, vous pouvez compter le nombre de fois qu'il y a une certaine valeur qui se répète dans un tuple. Vous pouvez vérifier l'index de quelque chose dans un tuple. Comme vous voyez là, lui se retourne, il va vous retourner généralement le tout premier élément qu'il a, en fait, l'index de la toute première fois qu'il a trouvé l'élément dont vous êtes en train de chercher. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pensé à le faire sur plusieurs lignes. Print personne dot count comme ceci. Donc je le réajoute là pour que quand vous êtes, parce que je vais bien évidemment attacher ces fichiers-ci peut-être dans GitHub pour que vous puissiez avoir accès. Donc si je fais là. Vous pouvez voir que ça se retrouve à l'index 0. Il y a ce problème de case sensitif parce que j'ai mis K en minuscule et automatiquement ça ne marche plus. Donc il faut vous rassurer que case sensitif, il est bien et bel là. Donc vous pouvez bien sprint. Non, print, pas sprint. Personne comme ceci. Ce que je vais dire, c'est que voilà basiquement ce que vous pouvez faire avec
tuples. Donc, généralement, ou en gros, les tuples, c'est une sorte de liste, mais qui ne sont pas modifiables et qui sont aussi, je crois, ordonnées. Qui sont ordonnées. Donc, ils vont s'afficher toujours sur cet ordre-ci. Sur cet ordre-ci, c'est une sorte de liste ordonnée, mais limitées, qui ne peuvent pas être modifiées, mais qui peuvent quand même s'afficher toujours et toujours dans l'ordre dont ils ont été insérés.